la cérémonie de ce matin marque l'une des étapes les plus importantes de notre projet, à savoir la présentation officielle aux autorités de l'État de Côte d'Ivoire des bateaux qui nous ont été livrés de décembre à ce jour. Quelle est notre fierté, donc, de voir des Ivoiriens qui aiment le pays le démontrer. Zoumana, tu viens de démontrer que tu aimes la Côte d'Ivoire, que tu fais confiance à la Côte d'Ivoire. Aimer la Côte d'Ivoire, c'est faire ce que tu es en train de faire. Je voudrais, au nom du gouvernement, t'en remercier. Tout, on a des bateaux qui sont assez stables, c'est des catamarans. Donc c'est des bateaux insubmersifs, comme on dit. Et c'est des bateaux qui sont propulsés, les grands bateaux sont propulsés à jusqu'à 14 nœuds. Et les petits bateaux qui sont de 15 mètres sont propulsés jusqu'à 25 nœuds. Donc ça veut dire que c'est des bateaux qui sont très rapides et très légers. C'est en composite pour ce grand bateau-là, les bateaux de 27 mètres, c'est en composite, matière composite, et les petits bateaux sont en aluminium. On a différents types de bateaux, différents types de configurations. On en a de 240 places. Ça, c'est les bateaux de 27 mètres, mais qui sont, comme on dit, classe économique. Il y en a qui sont classe économique et business, sont 200 places. Et les classes touristiques, c'est 140 places. Donc, on est dans une classe touristique, 140 places. Les petits bateaux peuvent aller de 60 à 73 places. D'autres, ceux qui sont ouverts, vont jusqu'à 82 places. Je suis tout simplement époustouflé par la qualité, le confort, la stabilité de ce bateau. Et je pense que Citrans a fait passer la Côte d'Ivoire un cap dans le transport fluvial, en termes de qualité, en termes de confort et sans doute en termes de gain de temps. Cette compagnie va changer un peu la vie des Abidjanais et je suis impressionné. J'avoue que c'est un défi majeur pour la circulation à Abidjan et on le félicite parce qu'il va répondre véritablement à un besoin inexploité. Donc je pense que la population ivoirienne sera satisfaite et pourquoi pas d'autres sociétés en émulation. C'est une fierté, c'est vraiment la réalisation d'un projet que nous portons depuis 3 ans avec la confiance du gouvernement. Et ce projet offre, vous avez vu, nous sommes sur la lagune, c'est un bateau stable et avec tout ce monde, il y a une grande capacité de transport. Nous pensons vraiment apporter notre contribution à la résolution des problèmes de mobilité des habitants. Vous savez, le moyen, par rapport à l'investissement, le moyen de faire des tickets à bon prix, c'est d'avoir des grandes capacités. Parce que pour les mêmes moteurs, ce moteur peut utiliser des bateaux 80 places, mais quand vous les prenez pour 240 places, vous voyez bien que vous pouvez proposer des prix autour de 200 francs et avoir l'équilibre économique.